Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le premier épisode du coup d'envoi chaud. Et pour ce premier rendez-vous, je reçois Jason Moukoulou, ancien gardien de l'Olympique de Marseille, qui nous fait l'honneur de venir sur ce plateau. Bonjour Jason, comment allez-vous Bonjour à vous, ça va et vous Merci, bah très bien, merci d'être avec nous sur ce plateau. Jason, vous êtes actuellement sans club. Quelles sont vos démarches pour retrouver un club Il y a des contacts qui sont établis. Maintenant, on continue à travailler, on continue à, à bosser parce qu'il n'y a pas le choix. Il faut se donner les moyens. Et on espère que d'ici euh, le mois de juillet, il euh, y aura, il y aura quelque chose. Maintenant, je fais confiance à Dieu, car c'est lui qui qui débloque situ les situations, et euh, je sais que ça le fera dans tous les cas avec le travail et avec L le temps. L'objectif est clair, juillet retrouver un club euh, une réserve professionnelle. Pourquoi pas Après, je suis, je suis, je suis dispo. Euh, je réponds à toutes les négociations, que ce soit de la N2 ou la N1. On va, on va prendre ce qu'il y a à prendre et on va voir le projet qui, qui sera le plus euh, efficace, qui pourra m'emmener au, au niveau. Très bien, on va revenir un petit peu aussi sur votre parcours. Vous avez commencé le football à l'âge de 6 ans oui. au RSC Montreuil. Exactement. Le club de votre ville. Pourquoi ouais. directement le football euh, Ça vient de mon père. Mon père qui, a, qui est né au Congo, à Kinshasa. C'est lui qui m'a transmis ses valeurs. Et euh, voilà, c'est pour ça que j'ai. J'ai commencé le foot à l'âge de 6 ans et j'ai commencé à montrer parce que c'était dans ma ville, Tout simplement comme tous les enfants de, la, de leur ville, ils commencent à côté de chez eux. Donc c'est pour ça que J'ai commencé à montrer plus tôt. Vous êtes gardien de but. Exactement. Est-ce que dès votre première année, vous avez décidé de devenir gardien de but Non, pas du tout, parce que j'ai au poste de défenseur central. On le sait qu'au début, quand on est jeune, en débutant, on a fait un petit peu tous les postes. Exactement. Vous, c'était pas... Euh... Non, moi, c'était euh, défenseur central et attaquant. J'aimais bien, bien marquer des buts. Je me prenais pour, euh, pour euh, tirer Henri, parce que j'aimais bien cet attaquant. Un exemple aussi Un exemple aussi, ouais, qui a un très fort caractère. Puis après, euh, lors d'un tournoi euh, de la ville, de notre club plutôt, euh, notre gardien, il faisait pas mal de, de boulettes. Et un, un, un ancien collègue à moi qui me dit, mais pourquoi Jason, tu vas pas dans les buts Et des fois au quartier, tu joues au goal et t'es es, es fort. Je dis, pourquoi pas Et depuis ce jour-là, bah, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Entre guillemets, je pourrais dire que c'est le destin. Maintenant, on continue, on continue à travailler pour aller plus haut, plus haut niveau. et voilà Je vous propose qu'on qu se regarde quelques arrêts que vous avez effectués. C'est parti. Donc voilà, on a vu quelques arrêts que, que vous avez effectués. Là, c'était à l'Olympique de Marseille. C'est quoi votre qualité première en tant que, que footballeur Bah, La relance. Parce que sinon, on est le premier relanceur. Sinon, comme je l'ai dit auparavant, on voit la surface, on a tout. Après, le jeu à rien qui est très important de rassurer les défenseurs. Vous avez une référence en, dans le football en tant que gardien de but Bien sûr. Steve Mandanda. Joueur de de, joueur de, de Marseille. Marseille, de de Marseille. Ah, exactement. C'est une référence, on va dire, pour moi, parce que dès que je l'ai vu face à Caen, son premier match, je, je me suis dit, je vais devenir comme lui. Je à l'OM un jour. C'est arrivé en étant jeune, ça n'a pas marché, mais aujourd'hui je suis toujours là. Je sais que ça va venir et c'est une référence pour moi et j'espère vraiment avoir la même carrière que lui, c'est-à-dire faire le... Pourquoi pas revenir à Marseille un jour ce serait mon, ce serait le, un club que euh, vous portez dans un vrai dans comeback le plutôt exactement et pour montrer que c'était une erreur. Donc après 5 ans à Montreuil où j'imagine que vous gardez un très bon souvenir. Très bon souvenir. Vous rejoignez les Lilas, exactement. un club avec euh, un plus haut standing. Euh, Est-ce que vous sentiez déjà qu'il y avait quelque chose à faire exactement. Dans le du football Oui parce que quand je suis arrivé déjà ce euh, c'était pas les mêmes joueurs que avec qui j'évoluais à Montreuil. À Montreuil aussi c'était des, des très bons joueurs. Molina, c'était deux fois plus. Euh, J'ai joué avec, euh, bah, avec Jean-Claire Todibo, qui est aujourd'hui au FC Barcelone. Il vient de signer, il a, il a effectué sa première titularisation il, euh, hier. Exactement. Après, lui, c'est le travail. C'est le travail et rien d'autre. C'est Pour moi, c'est un exemple aussi. Comment jugez-vous d'ailleurs son évolution ah, Il joue à Toulouse, maintenant, il se retrouve au FC Barcelone. Je suis, je suis très content d'entendre ça parce que ça me, fait, ça me fait chaud au cœur, parce que c'est quelqu'un, lui, qui a eu du courage. Parce que j'ai, je l'ai fréquenté. Je sais ce que, je sais ce que ça demande. Parce que lui, c'est quelqu'un qui, il, obligé, il était obligé de passer par le travail, comme tout le monde. Mais lui, c'était pas, c était, c était pas vraiment un talent. C'était quelqu'un qui, c'était pas inné, C'était lui, c'était le travail. Et pour l'avoir fréquenté, je l'ai, je l'ai vu, je l'ai vu souffrir, je l'ai vu travailler, je l'ai vu dans la déception, dans la tristesse. Mais aujourd'hui, Dieu l'a récompensé parce qu'il mérite. Et comme on comme on dit, Dieu récompense et puis méritant. Et aujourd'hui, s'il est au Barça, c'est pas hasard. C'est donné. Et comme on dit chez nous, c'est Dieu qui donne. Et je suis vraiment vraiment heureux pour lui parce que il le mérite. Il une le mérite. Une fierté, hein. ouais, une très très grosse fierté. Comme à Montreuil, vous êtes resté cinq ans ouais. au Lila. Comment ouais. comment se sont passées ces, ces années là-bas De très belles années. J'ai eu de la déception, comme de l'échec. C'est vrai que à Montreuil, euh, c'était plutôt du loisir, c'était plutôt euh, de l'amusement, on va dire. Mais quand je suis arrivé au Lille, j'ai vu directement que je pouvais faire quelque chose. Quand je suis venu, c'était du, du plaisir, mais, mais entre guillemets, euh, quand je suis arrivé au Lille, j'ai direct, euh, direct senti que je pouvais faire quelque chose parce que c'est un, un autre niveau. C'est un autre niveau et j'ai fait mes premiers essais à partir des Lille, Paris Saint-Germain, le HAC, Amiens, etc. Des, des clubs professionnels. Des clubs professionnels et j'ai eu de la visibilité. En étant au Lila et j'ai vraiment progressé. J'ai eu de la tristesse parce que je me rappelle d'une anecdote où nous sommes, euh, nous sommes allés en, coupe, euh, en finale de la coupe 93. On a perdu un tir au but contre la Drancy en 15 au Stade de France. Notre future club. Notre future club euh, après. Et ça a été une grosse division pour moi parce que je voulais gagner ce, ce trophée-là, parce que la Coupe 93, le tir au but, hein, le tir au but encore. C'était, c'était, c'était vraiment triste, mais au lila voilà, c'était vraiment, c'était vraiment énorme, c'était magique. Et vous parliez de visibilité. Mmh. À la suite de cela, vous signez en U17 national, donc euh, un, le plus haut niveau dans cette catégorie, à Drancy. Exactement. Ouais. Euh, comment, euh, comment ça s'est passé Vous franchissez quand même un autre palier à ce moment-là. Vous vous dites quoi dans... Tête. Bah, je me dis que c'est le moment, c'est le moment. Je me dis que les rester une sixième année en plus, ça se faisait trop. Donc euh, j'avais un gros challenge à Drancy. C'est vrai que Drancy me tendait la main depuis... Et euh, c'est eux qui vous contactaient Exactement, c'est le coach qui m'a contacté, c'est Saloum Koulibaly qui je, re, qui je remercie infiniment pour ce qu'il a fait pour moi. Si aujourd'hui je suis passé par l'OM, c'est grâce à lui, parce que c'est quelqu'un qui a travaillé dans l'ombre, qui a ramené beaucoup de joueurs et qu'il a fait signe derrière, et qui n'est pas... Un grand monsieur du football. Exactement, c'est quelqu'un qui est caché et qui, qui fait ses affaires. Et je le remercie infiniment, mais en arrivant à Drancy, je me suis dit qu'il faut prouver, il faut franchir un cap, et il faut montrer aux gens que... J'ai rien à prouver, mais je devais montrer aux gens que, que, que j'avais cette faculté-là à, à relever les défis. Et c'est ce que vous avez fait, vous oui. réalisez une année pleine. Vous finissez cinquième de U17 national Exactement. et à la suite de cela, vous êtes repéré par l'Olympique de Marseille oui. et vous signez après. Comment, euh, comment ça s'est passé réellement, euh, cette signature avec l'Olympique de Marseille, alors qu'on voit derrière euh, vous avec, avec le maillot de C'est En fait, c'est une très belle histoire. C'est une très belle histoire qui a bien commencé. Après, on va voir la suite, mais c'est une très belle histoire qui a bien commencé parce que je sortais d'un gros, gros match contre le Havre. On avait perdu malheureusement 5 buts à 2, mais j'avais fait, fait le meilleur match de la, de, de la saison. Et euh, Marseille, ils étaient, ils, étaient, ils étaient chauds. Ils étaient chauds pour euh, me faire signer. Mais avant tout ça, c'est Dieu qui, qui a agi dans cette affaire. Parce que euh, j'étais blessé. On jouait contre Boulogne. Non, contre Évreux. Et j'étais blessé. Et euh, mon père est, est venu me voir le match. Et euh, suite, à, suite à ça, c'est la mi-temps, je vais au bar et euh, j'aperçois mon père parler avec un, un monsieur, un vieux monsieur. Sans doute un recruteur. Du Sans coup. doute un recruteur qui s'appelait Firat Kirat et qui, qui, et qui était là comme ça et qui me cherchait. J'en reçois un message de mon père, il me dit « viens me voir, je suis avec quelqu'un ». Et j'y arrive, je vois et il se présente, il dit « bonjour, je suis le recruteur de l'EM ». J'avais mal entendu. Et on commence à parler, à parler, à parler. Et j'étais blessé à cette époque-là. C'est-à-dire, quand je rentre chez moi, je dis, je dis quoi à mon père Je lui dis, mais papa, c'était qui le, le monsieur ministre de l'OM Je lui dis, ah bon Je lui oui, ils te connaissent, ils veulent te voir. J'étais blessé un mois. fallait que je revienne plus fort. Je suis revenu. Ils Une motivation. Une motivation Une exactement. J'étais venu affûter, j'étais bien. Ils sont venus me voir contre, bah, contre le Havre. Là, le match a tout déclenché. Et à la fin du match, je parlais avec le recruteur des 19, Stéphane Nado à l'époque, et le recruteur Firat Kirat, et ils m'ont passé le billet. J'ai fait une semaine, test qui s'est réalisé, qui a été concluant plutôt. Et c'est comme ça que j'ai signé à Marseille. Une grande fierté. Une grosse fierté. On ouais. a, a quelqu'un qui a une question pour vous, Jason. On va regarder ça tout de suite. Ouais, salut Kunawa, cool, salut, pourquoi <laughs> tu as fait quoi tu as à Marseille En sachant qu'il ne pas là. Ça, toi, t'es un de toi. On a reconnu bien sûr. Tchakola de la 4Q. Un ami à vous Un grand, un grand ami, ouais. Un grand ami. Avec qui vous avez joué à Drancy Exactement, j'ai joué avec lui à Drancy. J'ai joué contre aussi euh, quand il était au Bourget, quand on était petit. On avait l'âge de 11 ans. J'avais joué contre lui, qui était un très bon euh, défenseur central à l'époque. Mais aujourd'hui, qui est dans la musique, ça fait vachement plaisir. Ça fait vachement plaisir. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre, du coup, Jason? Euh, Chaco, franchement, euh, pour répondre à ta question, euh, j'ai toujours été pour l'OM depuis, depuis que je suis né. C'est mon père qui m'a transmis ces valeurs-là euh, depuis qu'ils ont gagné la, la Ligue des Champions en 93. 1993, ouais, Milan assez. exactement. C'est depuis ce jour-là, mon père, il m'a parlé de ce club. Et c'est pour ça que je suis pour l'OM et pas pour Paris. Alors vous, donc vous signez à Marseille. Comment s'est passée l'intégration dans le centre de formation Ça n'a pas été, n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que euh, de quitter le coco familial à l'âge de 17 ans. Alors que j'étais quand même assez jeune. J'étais assez jeune. Hein, j'étais pas mature du tout. Et moi qui qui pleurais auparavant parce qu'à l'âge de 12-13 ans, je voyais des des mecs euh, signer tout ça. C'est normal, c'est l'envie. Mais je, je savais que je n'étais pas prêt. Mais encore une fois, Dieu est toujours dedans. Parce que comme je suis croyant, je sais que Dieu a voulu me montrer qu'il est grand en me mettant à Marseille. Mais ce n'a pas, pas été du tout facile. Parce que euh, arrivons, arriver là-bas, plutôt, il euh, fallait s'y faire. C'est une certaine intégration aussi. Exactement. La vie du centre de formation, c'est de, la, la, de la jalousie aussi, la, de la, la concurrence. Bien sûr, bien sûr. Euh, Comment a... vous avez vécu euh, tout cela j'ai pris sur moi, je suis quelqu'un qui, qui, qui parle beaucoup avec mes proches, je suis bien entouré. Euh, quand j'étais pas bien dans ma chambre, bah, j'appelais mon meilleur ami euh, Demba, qui me conseillait toujours, ou Sofiane, des, des, vrais, des, vrais, des vrais frères, qui me disaient que si tu es là, c'est pas pour rien, que ça peut le faire. Et même si ça échoue, on sera toujours derrière toi. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, euh, comme euh, actuellement je suis en club, il n'y a plus personne, c'est difficile. On doit remonter la pente tout seul. Euh, on n'est pas accompagné. On doit travailler. On doit faire les efforts. Tout ça aussi, ça demande de la discipline. Et forcément, euh, heureusement qu'ils sont là, mais durant mon, durant mon intégration à Marseille, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas ça été ça facile. A été dur. Ça a été dur. Mais difficile. vous commencez quand même euh, bien votre saison. Vous êtes titulaire. Mais euh, vous vous blessez face à Béziers en Gambardella. En 32e de finale. Euh, comment, comment ça s'est passé ce moment-là C'est un coup dur C'était douloureux parce que... Je peux m'en prendre qu'à moi-même. Je n'ai pas, pas été j'ai été, été, sérieux, mais j'ai manqué de sérieux en fait. Parce que le footballeur, il doit avoir de la discipline, il doit avoir de l'autonomie. Auto, et je n'ai pas été autonome. Parce que ce jour-là, on jouait sur un terrain catastrophique. Il fallait des appuis. Je n'avais pas de, de vissé. Et je peux m'en prendre qu'à moi-même parce que je me suis blessé sur un penalty où je vais du beau côté, je glisse, ma, ma cheville tourne et je suis quatre mois out. Vous avez appris de vos erreurs Bien sûr. Aujourd'hui, je suis prêt à rebondir n'importe où, dans un bon club où le projet sera fiable. Et euh, maintenant, on prie Dieu pour qu'il pour qu m'accorde une nouvelle, une nouvelle grâce, une nouvelle chance. On parlait aussi du centre de formation. Mmh. Comment vous avez vécu votre passage Parce qu'on sait que ce n'est pas tout le temps... Tout en rose, là, bas bah, c'est compliqué aussi. Comment vous, vous avez vécu votre passage au centre de formation de l'OM Franchement, je l'ai bien vécu. J'ai fait des de nouvelles rencontres. j'ai Ça m'a plu. Euh, moi qui rêvais tant de, de, faire, de faire un centre de formation, bah, Dieu m'a donné. Maintenant, voilà, ça n'a pas marché. Mais je suis vrai, j'ai vraiment été convaincu parce que tout ça, en fait, tout ça, c'est... Ça forge. Ça aussi. forge, c'est dans la globalité plutôt bah ça m'a forgé et ça m'a donné en, encore envie en fait d'aller plus haut quel souvenir gardez-vous de votre passage à l'olympique de marseille déjà je garde le souvenir, le, un vrai souvenir euh, mon premier entraînement avec les professionnels le 3 novembre 2016 c'était un, un, vraiment, vraiment bon un des meilleurs souvenirs parce que comment moi, ça s'est passé d'ailleurs cet entraînement professionnel ah, c'est magique j'avais la gastro, je, en fait je, je sortais de l'entraînement de la CFA le matin et j'avais pas cours. J'avais pas cours, c'est-à-dire j'allais dormir toute euh, la journée, jusqu'à euh, j'allais manger au repas. Mais j'arrive, euh, j'arrive, euh, je me lève et je vois mon téléphone sonner. Spinozy coach, c'était mon entraîneur des gardiens qui me dit ouais, Jason, euh, rendez-vous 15h en bas, entraînement avec les professionnels. Je dis mais non c'est sérieux il me dit oui ils il, il t'attendent. Laquelle a été votre réaction c'est de la joie. Mais en fait euh, Vous vrai. Pas je comprenais pas. Je comprenais pas j'avais un fou rire en fait quand je marchais pour y aller c'est ce que je me disais mais le travail commence à payer il faut que je continue c'est le début c'est le début et ça, ça, a, ça a été un vrai 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 souvenir. Vrai Vous avez côtoyé les Florian Tauvin Tauvin, Bafé Gomis, Patrice Evra. Est-ce qu'il y a eu des conseils au niveau aussi des, des joueurs professionnels Exactement, j'ai eu des conseils de, de Bafé Gomis, de Florian Tauvin et de Brice Samba aussi. Gardien aussi à l'époque euh, de l'Olympique de Marseille Exactement, avec qui j'ai bien été, qui m'a bien accueilli. Il m'a, on va dire, pris sous son aile, il m'a donné des conseils et franchement, quand je le regardais jouer, bah, pour moi, c'était un kiff. C'était un kiff parce que beaucoup de gens le dénigrent. Mais c'est un super gardien. Maintenant, super gardien. actuellement au stade Malherbe de Caen, Exactement. et qui est titulaire. Exactement. Moi, je suis vraiment content pour lui parce qu'il le mérite. Parce que même lui, auparavant, il a, il a pu faire des erreurs. Mais aujourd'hui, voilà avec la, avec la maturité qu'il a pu acquérir, bah, il est là, il a, il a son niveau, il est titulaire en Ligue 1. On ne peut rien demander de plus. Il y a Florian Thauvin aussi qui vous donnait pas mal de conseils je parlais beaucoup avec lui parce qu'il me chambrait, il me disait, regarde, il euh, y a le petit frère à, à Brissamba et tout, et c'était marrant à, à voir. C'est un très bon gars, très humble. Même si aujourd'hui, euh, il voilà, n'y a pas de contact établi, il n'y a rien, mais ça, ça, ça restera... Regardez un, un très bon souvenir de très, Florent Très très bon Thauvin. souvenir de Florent Tauvin. Très bon, très bon souvenir. Vous étiez de la, de la génération 99 Exactement. Des Boubacar Camara, Youssouf Sari ou encore Christopher Roca. Avec cette fameuse épopée en, en Coupe euh, Gambardella. Mmh. Euh, vous vous inclinez malheureusement en finale face à, à Montpellier, mmh. au tir au but. Oui. Euh, C'est quand même un grand moment de se retrouver au Stade de France, même s'il y a un goût d'inachevé parce que vous n'avez pas joué cette finale. Exactement, il y a un goût amer parce que je suis de la banlieue euh, parisienne, dont la Seine-Saint-Denis. Moi, le Stade de France, il est à 20 minutes de chez moi, donc euh, ça a été une grosse désillusion de ne pas avoir euh, participé. À ce, à, ce, à ce festin. Maintenant, c'est pas grave. Hein. Nous avons un de vos anciens coéquipiers à l'Olympique de Marseille qui avait un mot pour vous. On regarde tout de suite. Moukoulou, c'est J'espère que t'as reconnu. Gros big up au Coup d'en J'ai une petite anecdote pour toi. Tu te rappelle au centre quand t'as fait une terrible boule à Z <laughs> t'as besoin de quoi faire, je suis là pour toi. C'est n'importe ça, la là, lâche là, pas. Et voilà on vient de voir Gent qui vient d'ailleurs tout juste de signer au FC Villefranche Beaujolais en National. Une petite réaction sur cette vidéo ah, je suis franchement c'est quelqu'un Gent, euh, très, une très bonne personne parce que je me rappelle euh, quand il est venu, en fait on est venu la même année. C'est-à-dire lui il cherchait un appartement, c'est-à-dire il était toujours là, il me demandait si je pouvais l'accompagner avec euh, Esteban, on l'accompagnait. Esteban Gonçalves, qui exactement, était aussi avec vous à l'Olympique de Marseille. Exactement, c'est voilà, lui c'est le sang. Et euh, il était avec nous. Et euh, franchement Ghent, euh, très bon attaquant, robuste, efficace, devant le but. Il a des, vraiment des stats et je suis vraiment content pour lui qu'il puisse rebondir du côté de, de Villefranche en National. Voilà, hier j'ai une discussion avec lui et ça fait vraiment plaisir. Et ouais, pour la petite anecdote, euh, je vous rappelle très très bien. C était, c était, ça reste un très très gros souvenir aussi. Et euh, Biquet Pata, mon frérot, ça bouge pas, on est ensemble. On lui On souhaite attend. plein de succès également à Ghent. Dinage, à la fin de la saison, vous n'êtes malheureusement pas prolongé par l'Olympique de Marseille. Mmh. Quel est votre sentiment à ce moment-là C'est un coup dur. Ça a été très difficile. Je l'ai mal vécu parce que j'avais une discussion avec le directeur du centre et mon coach. Non, ce n'est pas que le directeur du centre. C'était avec mon coach des gardiens de but et Janouzi, le coach des 19 qui m'ont dit à la, euh, au premier bilan, en, au mois de décembre, avant de partir en vacances, qui m'ont dit qu'ils étaient surpris parce qu'ils ne pensaient pas que j'allais jouer autant de matchs. Parce que je ne partais pas prioritaire. Et du coup, euh, le fait que je leur ai montré que, que j'avais l'Aniac, ils ont dit que si on continue comme ça, ça continue comme ça plutôt, ils pouvaient me proposer euh, deux ans stagiaire. Du coup, on partait comme ça. Et au retour des vacances, bah, je me blesse, pas de match. Donc, euh, sanction, pas gardé, ça a été dur. Et ça, je ne me fais pas de soucis. Après, Drancy, je l'ai fait parce que c'était pas pour me perdre. C'était pas pour me perdre. Le club venait de monter en 19 ans nationaux. Mais mon ana à mon Drancy n'a pas été aussi facile. Ça a été rempli de critiques. Mais je l'ai bien pris. Je l'ai bien pris. Vous êtes quelqu'un de fort, euh, Jason Bien sûr. Je suis courageux. Parce que je sais que les épreuves euh, sont temporaires. Ça ça, ça ça dure pas toute une vie un jour les portes ils vont s'ouvrir comme je le dis tout le temps parce que j'ai la force foi, de travailler À force de travail à force de, de, de travailler à force d'espoir de, à force de foi surtout parce qu'avec la foi on peut dépasser des montagnes donc euh, euh, j'en suis convaincu que y a quelqu'un qui, qui viendra me chercher ou par ma foi bah, je me débrouillerai, mais j'y arriverai en tout cas Merci Jason, merci d'avoir été avec nous, nous vous souhaitons vraiment plein de réussite vous pour la suite. Vous. Merci Jason, merci à tous de nous avoir suivis pour ce premier numéro du coup d'envoi chaud. On se retrouve très prochainement et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux car un deuxième épisode arrive bientôt. Merci à vous.